très cher. Je sais, c'est mon nom, je sais qui est le nom. 4 de la Maison France 4 de Sarrebourg avec la formation de Taulas. C'est parti pour les troisièmes catégories, uniquement les troisièmes catégories, on le rappelle. Donc, et on a déclenché chronomètre en 3 minutes le départ. Donc, 15 secondes. 4, 3, 2, 1, top! Allez, on vous pouvez les applaudir très très fort. À 5e catégorie ainsi que à les minimes que nous avons retrouvés dans ce départ. On rappelle un minimum que 4 tours. Qui amène avec Thomas Kerjean que nous allons retrouver. Thomas Fourichet était là également, nous le retrouvions sur le devant de l'épreuve. On retrouve également Nicolas Lachater de la formation de Ploumagoire qui emmenait la dynamique de ces derniers tours de circuit. Daniel Huguin avec toujours donc les positions qui restaient dans l'étape puisque nous les quatre garçons présents à l'avant derrière. La contre-attaque semble grignoter. Également quelques mètres, on se retourne à l'avant. L'entente qui était parfaite jusqu'alors semble s'être détériorée. Quelque peu Eric Kemener. Et bien sûr, dans cette contre-attaque, on retrouve Stéphane Richard en dernière position avec Brieux Kerevel. Avec également monsieur un très très bel accueil à Mathis Robin, champion de Bretagne. Minime, version 2016. Bravo Mathis, très très belle victoire de Mathis Robin qui s'impose. Herman et Nicolas Cherjean en deuxième position avec toujours la dynamique qui sera vers le titre suprême, celui qui nous permettra de retrouver Nicolas Cherjean qui va venir s'imposer également la cycliste de Wélo. Voilà la du jour, victoire de Nicolas Cherjean, deuxième. On retrouve donc Mathieu Muller à la troisième place. On retrouve Stéphane Richard, quatrième de David Hirono. On retrouve les hommes de tête et la cloche qui retentit. Vos encouragements, madame, monsieur, que ce soit à l'occasion du dernier tour. Et bien sûr avec Thomas Kerjean, avec toujours l'abnégation de Nicolas Lachater. Quatre garçons présents dans la contre-attaque. Autre groupe, puisqu'il y a du monde un petit peu partout. On retrouve le dernier tour en ce qui concerne la formation des cyclos Racing Vignolté. Christian Brélivet qui nous rejoint, Nicolas Lebrun avec Eric Pocher qui était là, nous retrouvions Marcel Sébastien Quintin qui essaye de remonter le titre régional à portée de fusil. Maintenant avec Thomas Kerjean qui va se montrer le plus rapide. Victoire de Thomas Kerjean, champion de Bretagne, troisième catégorie, deuxième Sébastien Quintin.
position décollage à terre qui nous joint maintenant. Par David Morin avec l'occasion de le saluer comme il le mérite.
deuxième de l'épreuve. Et donc, l'occasion de le féliciter.